Hello! Contente de vous retrouver pour cette recette de masque protéinée aux poudres indiennes. J'ai sélectionné donc 4 poudres. La poudre d'Amla, la poudre de Bringaraj, la poudre de Henné Neutre et la poudre de Kapor Kashli. Vous aurez toutes les informations en barre d'informations, bien sûr. Je vais utiliser l'huile de picui et l'huile de macadamia, plus l'huile essentielle d'ylang ylang. Si vous n'avez pas ces deux huiles, vous utiliserez l'huile de coco, l'huile de prakasi, l'huile de kukui, et j'en passe. Et comme protéine, puisque c'est un masque protéiné, on va utiliser la phytokératine, les protéines de riz et la kératine protect. C'est parti donc pour la préparation. Bien sûr, je me sers toujours de mon lait chaud pour mélanger mes poudres. Le lait est un hydratant, il est excellent pour les cheveux peu poreux. Je vais mettre une cuillère à soupe de chacune de mes poudres en mélangeant au fur et à mesure jusqu'à obtenir une consistance désirable. J'adore cette tasse rosithérapie qui m'a été gentiment offerte par ma collègue. Ah là là, ça fait plaisir. Rosie is sunshine. Sunshine is rosithérapie. Allez, place aux huiles végétales. L'huile de picui qui, comme l'huile de coco, se fige l'hiver. Je l'ai chauffée un peu pour pouvoir recueillir une cuillère à soupe. Ensuite, pareil, l'huile de macadamia, ce sera également une cuillère à soupe. Et je vais terminer avec 20 gouttes d'huile essentielle d'ylang ylang. Je mélange bien le tout. Maintenant, place aux protéines. Je vais mettre 1 ml de kératine protect. Puis je rajoute 1 ml de protéines de riz. Et pour finir, de la phytokératine, ce sera 2 ml, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. On mélange bien le tout. Notre masque protéiné aux poudres indiennes est prêt. Maintenant, on va passer à l'application. Et comme d'habitude, je pose ma préparation sur de l'eau chaude, mais pas brûlante. Il est essentiel de l'appliquer tiède. Je vais poser mon masque sur les racines, sur les longueurs. Je vais démêler et masser en même temps en insistant sur les parties dégarnies. Je vais faire pareil sur toute la tête. Aujourd'hui, il y a du soleil et je l'ai tout droit sur le visage. C'est pas grave. Je continue mon petit démêlage. Je masse, je démêle. Ça fait du bien. Prendre quelques minutes pour masser le cuir chevelu. Et toujours, je termine ma portion avec une vanille. C'est terminé, j'ai fini d'appliquer mon masque protéiné. Maintenant, je vais le garder sous l'effet de serre pendant au moins une heure. Ensuite, je ferai mon shampoing avec le shampoing booster. Je vous mettrai le lien. Et puis, ce sera l'après-shampoing fait maison. Je n'ai pas fait une vidéo à ce sujet. J'en ferai une autre pour le mois de février et je vous ferai la vidéo. Et pour finir, je ferai mon rinçage définitif avec la lotion 2LPEM. Voilà pour ce partage. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Bisous!